Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de faire un maquillage avec des tons de violet pour les yeux verts puisque j'ai les yeux verts. Voilà, donc je vais essayer. Alors, je pose mes lunettes. Je pose mes lunettes, je remets mes cheveux en arrière. Voilà. Donc, je vais mettre une base de chez Sephora. Alors, j'ai déjà fait mon teint. Hein. Je vais faire en sorte de rester cadré parce que le défaut que j'ai parmi tous les défauts, c'est de ne pas rester cadré quand je fais quelque chose. Alors, je commence par passer une base blanc irisé sur toute la paupière mobile. Bon, ça c'est le maquillage que j'ai l'habitude de faire, que vous voyez souvent dans mes vidéos. Je fais rien de nouveau, hein, sauf que je le fais devant vous. Voilà. Alors ensuite, je fais le creux de la paupière. Je vais quand même faire mon creux de paupière, comme je le fais d'habitude, parce que il faut quand même reconnaître que avec les paupières tombantes, c'est assez embêtant. Là, je suis obligée de faire une fausse arcade de chaque côté. Donc pour ça, je vais prendre. Voilà, je vais prendre le marron, comme ça. Pour faire une fausse arcade. Ben oui, le creux. Et je remonte pour donner l'impression d'avoir l'arcade sourcilière légèrement plus haute que la normale. Donc je fais dans le creux et je remonte au-dessus. Ah, je peux pas faire autrement que de faire ça. Voilà, donc là, je fais le creux et au-dessus. Le creux et au-dessus. Alors, moi, je fais tout ça, je floute après. Alors, après, je vais faire. Là, je vais faire sous mes sourcils. Une chute d'ombre à paupières. Pareil pour éclairer le dessous de. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon mauve foncé. Mauve foncé que je mets comme j'ai l'habitude, parce qu'en fin de compte je vais pas changer mes habitudes. Si je change mes habitudes, je vais pas y arriver.
Alors là, je le mets comme ça. Je le remonte ici, surtout ici. Là, je remonte. Alors, moitié, à moitié de la peau de voilà, je vais pas, je bouge pas de la moitié de l'œil. Là, je suis obligée. Et je fais ça sans me tirer la paupière, parce que si je me tire la paupière, c'est une catastrophe après. Donc, là, voilà. Ben, ça, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Je prends pour le dessous. Je continue jusqu'à moitié, parce que je vais pas plus loin. Et je remonte. Voilà. Donc ça donne ça. Je fais pareil de l'autre côté. À moitié et je remonte. Voilà. Ensuite, je prends mon blanc irisé. Alors, un petit pinceau. Voilà, donc là, c'est pour un point de lumière. Ensuite, je prends mon crayon noir qui me quitte jamais et je fais la muqueuse inférieure. Et ça, tout le temps. Voilà, des années et des années que je fais ça. Je crois que je fais ma muqueuse intérieure depuis l'âge de 14 ans parce que j'ai dû faire le haut et le bas. Donc là, je reprends un petit peu ici. Voilà, et je trace un tout petit peu, mais à moitié, sur la moitié. Je vais pas jusqu'au bout. Alors là, je fais ça comme ça. Grossièrement. Grossièrement parce qu'après je vais flouter parce que moi les traits nets ça ne me va pas du tout. Donc l'habitude est de faire ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi je vous fais voir vraiment le maquillage de base que je fais. Sans me prendre la tête, hein. Voilà. Voilà. Alors, après, je vais prendre du ricil. De bourgeois. Et je fais mes cils. Voilà. Donc je fais jamais celui du dessous
Parce que... Pour deux raisons. C'est parce qu'ils sont trop longs. Donc, étant donné qu'ils sont longs, si je mets du refill dessus, ça me touche la peau des joues. Voilà. Voilà. Donc, mon maquillage mauve pour les yeux verts est terminé. C'est ce que je fais moi. Maintenant, chacun fait selon son envie et voilà. Moi, je fais comme ça. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Je trouverai une autre couleur. Des fois, je fais beaucoup de vert aussi. Hein. J'ai les yeux verts, mais moi, je fais quand même du vert. Hein. Du vert, du marron, du doré. Voilà, je pense que quand on veut, on peut faire n'importe quelle couleur. Donc, au revoir et à la prochaine fois !